Coucou les gamers, allez, c'est parti pour le test du moine. Donc j'ai vu un joueur qui l'avait et c'était vraiment très agréable visuellement, donc j'en attends vraiment beaucoup. Hop. Ah oui, ok, d'accord. Ça commence bien, ça commence très fort. Donc c'est en fait un personnage qui a plusieurs postures et donc qui en fonction des postures va avoir des attaques différentes et c'était ça que je trouvais super beau. Hop, ça c'est encore la même. Ok, voilà, ok, donc le clic droit juste il repousse. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, effectivement. Je le gardais pour la fin, pensant que ce serait plutôt une classe de support, un petit peu genre prêtre. Et en fait, pas du tout. Je me rends compte que j'ai probablement gardé le meilleur pour la fin. Alors... Ah oui, on change de posture maintenant. C'est la posture du feu. Donc, hop. Ok, ça change de couleur. Ah oui, ah oui, ah oui, effectivement. Ah oui, j'adore, j'adore. Ah oui, décidément, le moine, visuellement, c'est... Il n'y a que le nécromancien qui faisait des trucs vraiment incroyables et vraiment très jolis aussi en couleur. Mais je pense que le moine me plaît beaucoup plus. Parce que enfin, ses attaques sont plus directes. Le nécromancien, c'était un petit peu plus technique, je trouve. Et surtout, le nécromancien, il attaque quand même à distance, que lui, c'est du corps à corps. Alors, hop, hop. D'accord. Donc, de gauche à droite. Donc, on revient sur la posture du vent. Ok, d'accord, c'était une AOE. Ah, la dernière posture. Non, c'est la dernière, la posture du vent. Donc j'ai confondu la première, je me rappelle plus ce que c'était. Oh, un petit coup de pied. D'accord, c'est pas mal ça, le clic droit. Il lui met un petit coup de pied qui me rapproche. Ouais, j'aime bien. En gros, il y a du bleu, du jaune et du rouge. C'est dommage, on voit pas assez les autres pouvoirs pour donner une idée. Mais là, en fait, juste les combos avec les trois postures, ça me plaît vraiment pas mal. Là, il rush. Ok, il met des petits dégâts aussi à côté, donc faut quand même être assez loin. Hop. Ah, mais ils prennent cher, ils prennent vraiment cher. Oula. Ah ouais, du coup, il le kick vachement loin. Ça, je suis vraiment moins fan. Du coup, le moine qui est plutôt quand même un perso corps à corps, s'il kick le mec à l'autre bout, on perd un petit peu l'avantage de mettre le mec au sol, quoi. À part s'il est dans le coin de la map, et là, pourquoi pas. Alors, zone... Maintenant c'est freestyle. Maintenant c'est deux clics gauche plus un à l'attaque de zone. C'est pas celle-là que je cherchais. Voilà, c'était celle-là. Ouh, ça a été rapide. Ouais, du coup il y a une lumière. C'est bien varié comme il faut.
parti pour du feu. Ouais, j'ai pas fait gaffe parce que j'ai fait pourquoi il y avait une boule autour de moi. Je l'ai mis mal, le mec. Et la dernière étape, ça devrait pas être bien compliqué si je fais attention au rayon. Ouais, cette fois, je l'ai esquivé. Boum! Par contre, lui, j'arrive pas à le mettre un peu plus. Il est un peu insensible à ça. Mais il a quand même été pas mal. On va tester la deuxième posture. Non, on sort de là. Merci les bouboules. Hop. Ok. Le feu lui enlève pas beaucoup. Hein. Ah oui, là par contre, il lui a enlevé beaucoup là sur cette attaque. Ah oui, là ouais. Il est efficace. Ouais, le monde, c'est vraiment une de mes classes préférées. Je pense que avec l'assassin, le kinétique aussi m'avait beaucoup plu. Donc moine, assassin, kinétique, berserker, enfin... Ouais, il y a plein de classes qui sont agréables à jouer, c'est ça qui va être plaisant, mais qui va être aussi un peu embêtant dans le jeu. Oh là là, allez, bye bye mec. Ouf, on m'a piqué. Moi je vais attendre la fin du laser. Et voilà, on va terminer maintenant. Et voilà, ce sera tout pour le moine.